Ok, eh bien bonsoir Twitch, enfin surtout bonsoir la VOD puisque j'ai pas encore fait l'annonce du stream qui est totalement au dépourvu, mais j'ai envie de le faire depuis longtemps donc je vais le faire. Je fais ma petite annonce. Bon, c'est un peu long, hein. Je vais peut-être mettre des timecodes après parce que là, je prends mon temps. Ok, l'annonce est faite. Ok. Et ok. Et ben on est bon. Je vérifie un dernier truc. Les juges. Voilà. Ok. Alors, moi, il y a un jeu tout particulièrement que je sais que j'ai très envie d'essayer. En fait, il y en a plusieurs. Celui-ci, en vrai, j'ai grave envie de l'essayer. Il a l'air grave fun. Mais je veux surtout commencer par celui... Alors, comment on trouve les autres jeux? Parce que là, il y a tous les gagnants. Ah, c'est ça. C'est celui-là. One Day Better. Oh, il tourne son navigateur en plus, incroyable. Hop, je vais aussi stream sur Discord, comme ça si les gens viennent, ils peuvent regarder. Sans avoir besoin de passer par Twitch, c'est plus sympa. Qu'est-ce que je stream dehors? J'ai l'impression que je stream pas la bonne chose. Hop, hop. Oui, c'est ça que je veux stream. Ok. Et je vais couper la musique de Minecraft. Et je vais tester ce jeu, qui est un jeu émouvant apparemment. Alors, contrôle. Ok, je vais mettre un clavier anglais, ce sera plus simple. Haut droit, haut. Ok, spamming actions can cause. Ok. Clicking. Ok, donc faut pas cliquer droit, faut pas spammer. Ok. Et bah c'est parti. I was alone and afraid and sad, and everything was cold and dark. But you came and made it better. Now it's my turn. Oh, ça a l'air adorable. Donc en fait, j'ai déjà vu le principe de ce jeu, parce que du coup, toute cette idée de stream, elle vient d'un Game Maker's Toolkit que j'ai regardé ses vidéos, parce que je regarde pas assez ses vidéos, et en fait elles sont très intéressantes. Notamment, il fait une Game Jam par année, je crois, et il sélectionne des vainqueurs. Donc le thème de cette année pour la Game Jam, c'était Roles Reversed. Donc les rôles sont inversés. Et dans ce jeu, les rôles sont inversés entre un humain et son chat. Dans ce Allô jeu... Coucou. Salut, attends, tu stream là? Oui, on est en stream sur Twitch.
Ah, ok, bon, vas-y, je te laisse tranquille alors, excuse-moi. Je Vas-y. me disais pourquoi t'es tout seul, ok, je te laisse tranquille, salut. Bye Bon stream, bon stream. bye. Ça va devenir une Oh. tradition à force, monsieur Rotor, qui vient pendant le stream, sans savoir qu'il y a stream. Alors, du coup, ouais, on disait. Je suis posé. Oh, zut, Ah, zut, zut. oh mon Dieu. Bon, du coup. Ok, donc les rôles sont inversés. Alors, on va jouer le chat. Donc, on peut donner des coups de tête, gentiment, donner un peu, tendre la patte et miauler. Ok, c'est parti. Oh, il y a des sons et tout. Oui! Oui! Oh, c'est trop. Attendez, je baisse un peu le son du jeu. Ah, la queue du chat est un peu chelou quand on jump, mais. Donc, y a. Miaulé, je miaule. Lève-toi! Ok, j'ai assez miaulé pour. Ok. Et. Pao. Je sais pas à quoi ça sert. Commence par. Oh! Nice! Oui, voilà, c'est ce que je voulais faire, bien sûr. Commence par tri tes déchets. Ensuite. Ça, oui, ça. Miaou. Tête, coup de tête. Les rideaux, faut ouvrir ces. Prends tes médics. Miaou. Ouais, super, brosse-toi les dents. Let's go. Non. Celle de Catboy qui est présente. Ah, ce bruit! Forge Futile s'est abonné avec Prime! Ça fait plaisir! Bienvenue sur le stream, ça fait super plaisir de t'avoir ici. Forge Futile, partenaire très important de PSU évidemment. N'hésitez pas à checker son compte Instagram.
bien, ne retourne pas te coucher, c'est pas fini la journée. Allez, on va te remettre sur pied. Oh, c'est trop chaud. Oh, on peut aller... Oh, on peut aller sur le... Est-ce qu'il y a des trucs avec lesquels je peux interagir? Oh, viens sur le canapé. Oh, c'est trop mignon. C'est adorable. Est-ce que ça va être la fin du jeu? Oh, purée, c'est incroyable. C'est trop mignon. Donc, c'est... les jeux ont été faits en un week-end. Donc, 2 jours pour faire ça, franchement, c'est super. Le jeu est très beau. Je sais pas si toutes les... Enfin, je sais pas, par exemple, si la musique est créée aussi. Si... Alors, mais par... Ah, la musique a été utilisée quelque part d'autre. Mais tout le reste, ça veut dire, je suppose, les sons aussi. Peut-être pas les sons. Incroyable. Super cool. Ok, et bah c'était trop bien celui-là. Donc un premier jeu à rôle inversé. Je trouve le thème a été plutôt bien utilisé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux de cette game jam qui ont été vraiment en mode vous êtes le support. Genre vous supportez un autre joueur qui est souvent une IA du coup. Et c'est super intéressant. Un deuxième jeu que je voulais montrer qui avait l'air super cool, c'est celui-ci. Sa mécanique a l'air trop bien, si je l'ai bien compris. En gros, dans ce jeu, vous créez un jeu un peu classique, hein, un truc style... comment on dit... Ah, voilà. Donc, en gros, on est dans la peau d'un game designer. Donc voilà, vous avez vu, on a des petits niveaux, hein, des level underscore 2.level, évidemment. Et on va lire le readme.txt. Hello, level designer. Bonjour, level designer. Bienvenue à ton nouveau métier. Nous avons presque atteint notre prochaine étape et nous avons besoin de toi pour guider le joueur à travers les niveaux. Allez, s'il te plaît, ouvre le onboarding level. Je sais pas ce que c'est onboarding, j'ai un peu oublié. Pour continuer. Très bien. Donc, le principe de ce jeu, bon, je pense que le jeu va mieux l'expliquer que moi, mais... Votre but, c'est de guider le joueur à travers un niveau jusqu'à la porte orange à la fin. Utilisez clic droit et bougez la souris pour regarder autour. Vous pouvez aussi scroller. Ok. Voilà, donc la porte est là. Ok. Pour guider le joueur, vous devez placer de la peinture sur le niveau en utilisant clic gauche. Le joueur n'est pas très intelligent. Il va seulement regarder la peinture près de lui ou la porte de fin de niveau. Vous avez un budget de texture limité pour due to performance. Ok, vous avez un budget de texture limité pour votre performance, donc ne placez pas trop de peinture. Et ensuite, vous pouvez lancer un playtest pour voir ce que le joueur va faire. Ok, donc je pense que le jeu est assez explicite, hein, je pense que vous avez compris. Mais pour ceux qui n'auront pas trop la référence de pourquoi, et bien en fait, si on analyse pas mal le level design, surtout des jeux AAA assez classiques, qui sont 3D... etc, etc. Et bien en fait, il y a beaucoup de points lumineux, de points d'intérêt, voilà, qui sont mis soit en lumière, soit avec des trucs particuliers. Par exemple, dans quasiment tous les Lara Croft, quand vous pouvez grimper, il y a des espèces de traces comme si d'usure, comme si ça avait été souvent grimpé, quoi. Et bien en fait, là, on va être le rôle de la personne qui fait ça. Donc en gros, le joueur, il va juste avancer. Voilà, si on fait un playtest, faisons un playtest, sans rien. Et le joueur, il regarde autour de lui, il voit aucun élément de guidance. Je pense qu'il va même pas partir, je bois un peu d'eau. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez vu, le joueur ne voit rien, là. Donc, RIP. Comment on arrête le playtest? Ok, on reclique. Donc, c'est un peu relou, parce que le joueur ne sait pas où aller. Il se dit, mais c'est chelou, il n'y a pas de porte de sortie. Où dois-je aller? Et donc, je suppose que, si je fais clic, là, j'ai mis la peinture. Voyons voir ce qui se passe maintenant. Ah, il voit la peinture, et se dirige par là. Ok. Et une fois qu'il est arrivé à l'endroit, il va regarder autour de lui. Ok, donc, je propose de mettre une autre peinture là, puis une là, puis une là, et puis une là. Normalement, ça devrait être bon, je pense, hein, ça va faire zigzaguer. Vas-y, go! Go, j'ai dit. Donc là, il voit le jaune, il voit le deuxième jaune. Non, regarde l'autre! Oui, parfait. Ok. Super. Genre le détail des petits FPS. Ouais, la porte... Oui!
Let's go! Donc c'est assez intéressant comme puzzle quand même, je trouve. Ok, niveau 2, voyons voir un petit peu ce qu'on a. Encore une fois, n'hésitez pas à venir discutailler si vous avez envie de discuter des jeux. Ou s'il y en a que vous avez envie de voir tester plus promptement. Même si évidemment, on va pas tous les tester, puisqu'il y a plus d'une centaine de jeux, dont une trentaine de gagnants. Alors, si voyons où le joueur regarde. Ok, super. Ça me semble assez simple, du coup, il faut juste qu'on place une peinture là. Est-ce qu'il la voit, là? Non, il la voit pas, zut. Comment on efface clear. Ok. Voilà, ici. Là, il la verra. Elle la voit pas. Si je la mets là, il la voit. Ok. Donc une fois qu'il va être là, il va regarder un peu autour de lui. Et il faut qu'il voit celle-là, je pense. Puis celle-là. Après. Ensuite, une fois qu'il arrive, enfin il va aller vers là. Et je veux qu'il voit ça. Voyons voir ce qui se passe. Comment on met en grand le playtest serait intéressant quand même. Ah, on peut le voir. Ok, on peut voir comme ça. Ah, il ne... What? Il voit pas la tâche, là? Est-ce que je le réalise? Là, c'est quoi, ça, en fait? Je pense que c'est le petit... Peut-être qu'il faut le faire aller au truc, en fait. Je vais essayer de le faire aller là. Pour voir. STP. Ah! Non, non, non! Oh, ça va être chaud de... Je vais essayer de lire en deux. Je n'ai rien lu. Du coup, on va effacer celle-là rapidement, juste pour voir le texte. Please make a really cool scenic view from here. We're staying in performance budget. Ah! Ah, il veut aussi qu'on... Ah, c'est intéressant. Ok. Du coup, je suppose qu'il faut aller quand même ici, comme ça, il voit le... La vue, il fait « Waouh, trop stylé !» Et ensuite, il voit là. Il cherche, il trouve. Il recherche, il retrouve. Ah, ok, même pas besoin de l'autre. Impeccable. Allez, je fais encore 2-3 niveaux et ensuite, je cherche un truc. « Hi, pretty lady Drake. Hello, chien Lan. » On teste des jeux de game jam avec le but rôle inversé, ici. Et là, du coup, on joue un quelqu'un qui fait une game jam. Et qui cherche à indiquer le chemin le mieux possible au joueur. Donc déjà, on va aller voir ce qui est écrit sur le texte. Donc là, notre joueur voit la tâche de peinture, il fait « Oh, c'est là qu'il faut que j'aille !» Donc là, qu'est-ce qu'il veut faire? What? Ok, je pense que ça va être une blague de Game Designer, je suppose. À moins qu'il y ait un chat caché quelque part. C'est quoi ce bruit? Non, 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 c'est... Ouais, en fait, faut juste le faire grimper, jumper. Ok. Donc retirons ça. Est-ce qu'il voit si je mets un truc là-bas? Oh, il voit! Incroyable. Ok, donc il va aller là. Puis il va voir ça ici. Puis il va voir ça là. Puis là. Non. Puis là. Puis là. Et là, je pense que c'est suffisant, il va voir la porte. Voyons voir. Dommage qu'on puisse pas mettre en grand. Attends, je vais zoomer. Non, on peut pas zoomer. Mais on peut le voir là. Et pourquoi il la voyait et là il la voit plus? Je préfère là peut-être. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il trouve? Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Ok, ça marche. C'est totalement ce qui était prévu. Non! Qu'est-ce qu'il fait? Mais non! Mais pourquoi il refait en arrière? Oh non, j'ai fait tourner mon joueur en rond. Ah si, il a vu la porte là, c'est bon. Ah. Fini le niveau. Bien joué. Allez, encore un petit, après on change de jeu. Alors.
Donc là, il doit... Oh, ça a l'air assez simple. Faut voir si on veut lire le truc. Ah non, c'est pas si simple! On a des problèmes, on a créé des kill zones, enfin il y a des kill zones qui apparaissent dans ce niveau lorsqu'on lance le jeu. On va bientôt régler le problème, mais en attendant, essayez de faire en sorte que le joueur puisse les éviter. Désolé. Bah, super. Ah oui, d'accord, et je peux pas, donc faut que je les retienne. Donc il faut pas qu'ils longent le mur là. Et il faut pas qu'ils longent le mur là. Ok. Du coup, j'ai envie de mettre une tâche là. Puis une là. Puis une là. Bon, déjà, voyons comment ça se passe comme ça. Si je mets une là d'abord. Qu'est-ce qu'il va faire? Meurs pas, c'est bon, il meurt pas. Il a vu la tâche, cherche l'autre tâche. Bien joué. Ouh, il a frôlé la kill zone, hein. Celle au sol, oui, s'il te plaît. Oui! Oh là là, first try. Comment ça, performance 1 sur 3? J'ai réussi à le faire du premier coup et avec un seul. Enfin, avec 4 sur 5. Bon, je sais pas comment ce jeu se note en termes de score, enfin, ce puzzle. Il y a beaucoup de niveaux en plus. Enfin, je crois qu'il y en a 5 ou 6, mais franchement, c'est super stylé ce qu'ils ont créé. Le concept est vraiment original, j'aime beaucoup. Bon, du coup, je fais celui-là parce que je pense qu'après, c'est le dernier niveau, je crois. Allez, va voir le. Oh, il y a une grosse kill zone là. Tac, tac, tac. Ah oui, d'accord. Hey, on a eu un retour de l'éditeur et il nous a dit qu'il aimerait bien plus de trucs gris. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'ils veulent dire? Ouais, non, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que il faut qu'on fasse ça. 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 Si j'ai bien compris. Ok. Ok, le saut d'une vie. Il fait le saut d'une vie. Grimpe, grimpe. Oh là là. Oh là là. Non, en bas! Oh zut! J'avoue, une fois qu'il est là-haut, faut qu'il regarde là en fait. C'était bien, mais faut juste mettre la tâche genre, ici, je pense. Voilà, à sa hauteur. Eh, mais en vrai, j'ai l'impression d'apprendre en level design, mais de manière fun. C'est vraiment trop bien comme concept. Saut d'une vie, deuxième saut d'une vie, et là il voit. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Non, tu l'as vu. Tu l'as vu la tâche! Fais pas genre! Ouah, mais il l'a 1000 fois vue. Elle est dans son champ de vision même. Si je mets ça un peu plus là, il pourra pas la manquer. Celle-là un peu plus là. Voir là. Voyons voir maintenant. Ok. Ok. Parcours. Parcours. Et quoi? Pourquoi il regarde là-bas? Je comprends pas. Il regarde là-bas. Si je la mets là ou là, est-ce qu'il va mieux voir? Ok. Pour le début, tout marche bien. Ah oui, là, il voit beaucoup mieux d'un coup. Ok, donc il fallait mieux le mettre là. Et bah super. Ah, performance 2 sur 3. Il reste un niveau? Ah non, c'est ça. On a tout fini. Et bah voilà. Crash is editor de notre clic, et voilà. On fait crash le jeu avant de partir. Oh là là. This is the post-jam version. Ah, ok. C'est la version polie après la jam. Bah, ce jeu est très cool. Vraiment hyper intéressant. Je suis pas forcément hyper fan de jeux qui sont puzzle pur. Et franchement, il est pas mal. GG. Oh, merci. Le prochain, qu'est-ce qu'on pourrait tester? Il y en a un. Qu'est-ce qu'il y avait? Making the Game, ça avait l'air fun. Descriptionary, c'est assez sympa. Et Inside Job, j'ai envie de le voir aussi. Oh, Ragdoll, c'est drôle. Oh, je sais pas, il y en a beaucoup. En fait, il a présenté tous les gagnants quasiment, donc je les ai vus, même si je sais pas exactement ce qu'ils font.
Et une fois que j'ai montré le plus important, en vrai, s'il y a toujours des gens chauds pour regarder un peu ou même en tester, on peut passer sur les ceux que je n'ai pas vus et que je ne connais pas, qui n'ont pas forcément gagné. Déjà, faisons, voilà, descriptionnary. Pour montrer un petit peu, en plus, on a Shalane qui regarde le live, elle dessine, c'est parfait, on va faire un jeu de dessin. Donc, je rappelle le thème Roles Reversed de la Game Jam. Et donc, dans ce cas-là, c'est un Pictionary inversé. Il faut deviner ce qu'on dessine et non pas faire deviner aux autres ce qu'on dessine. Alors, par contre, j'ai l'impression que. Faut que je dézoome un peu, non? Ah non, c'est bon, ça a l'air bien. C'était bien centré en fait. J'ai fait de la merde. Ok. Le jeu où tout le monde. Anybody can draw. Oh. Chaque lapinou peut dessiner. Voilà. Faut vraiment que je dézoome. Non, j'ai pas le temps de lire. Ok. Commence en prenant une couleur des options en bas à gauche. Lorsque tu es prêt, fais la arrow key. Ok, je suis prêt. Tu peux faire la flèche de gauche pour retourner en arrière, s'il y a besoin. Faisons un cercle au milieu de notre canevas. Ah, il y a un can... Ah, ok, il y a un timer, il y a un timer. Ok, je fais un cercle. Super, ensuite. Ensuite, faites un rightward facing arrow in the middle of the circle. Like a greater than sign. Ah, ok. Ça. Au-dessus de la flèche, à gauche et à droite de la flèche, faites deux lignes verticales à l'intérieur du cercle. Oh, c'est un poussin! C'est un poussin 100%. En dessous de la flèche, faire un gros U-shape. If myself can. Ok. Oui, c'est un visage! C'est un visage en fait! Now I don't know. Ok. Face! Oui! Oh, I've got a classic recipe in mind. Ok. Ah, franchement, c'est fun, j'aime bien le principe. On va commencer avec un plat. Ah oui, il faut faire que des plats en fait, le cuistot. Faites une pizza avec une part en moins. Oh, elle est dégueu, attends. Comment on contrôle Z? Non. Oh, c'est horrible. Il faudrait une plus grande gomme par contre. Ok. Ok, donc une pizza. Avec une part en moins. Ok. Oh non, le pepperoni est tombé! Faites une ligne de petits cercles qui vont loin de là où. Ok. Ah bah c'est Pac-Man. Nécessairement. Allez, je devine avant d'avoir tout fait pour voir. Pac-Man. Ouais! Oh mon Dieu, le padré. Tu voudrais pas aider ton papa, mon petit? Allez, champion. Merci de passer un petit peu de temps avec ton vieux. Comment on dit ça en français? Avec ton. Avec ton vie. Ton daron, quoi. Comment il disait? Je suis sûr qu'il y a un terme français pour ça. Avec ta vieille bourrique. Alors on va faire un petit carré au centre de la page, comme on faisait quand t'étais petit. Oui, bien sûr, je m'en souviens, papa chat. C'est pas un carré, bon, ça me stresse pas. Ouais, tu sais très bien comment ton père aimait les choses simples. Allez, ajoute juste une ligne horizontale au-dessus de ce carré. What? Rose the line right on top of that square. Comme l'étagère que j'ai mis pour ta mère lorsque on s'aimait encore et qu'on n'avait pas divorcé. Oui papa, tu es gênant papa. Hop. On va faire voilà. Ouais, tu sais, je me réveille toujours tôt, alors fais un petit demi-cercle au-dessus de l'étagère. Pour faire comme un lever de soleil. Ok. Il est très chelou mon lever de soleil. Tu sais bien que ta mère, elle aimait bien mes petits tours de polka. Alors on faisait des petits cercles au milieu de semi-cercle et elle adorerait ça. Il n'a pas dit combien de small circles. Je vais en faire quelques-uns. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, le papa chat qui remplace mon vrai cher. Papounet! Papounet chat! Je sais pas. Ah si, mais si, c'est une soucoupe volante, non? On dirait une soucoupe volante qui abducte un truc. UFO? Non, qu'est-ce que c'est? Attends, je refais à côté. Il a dit un carré. Bon, c'est pas vraiment un carré. Ligne horizontale. Demi-cercle. Et des ronds. Qu'est-ce que c'est? Il a dit le nombre de ronds. Polka dots. Je sais pas ce que c'est en fait des polka dots. Des pois de polka. C'est comme ça, non? Est-ce que je comprendrais mieux si je fais plein de pois? Ah, c'est un. Ah, c'est un grille-pain, non? Toaster? Non, qu'est-ce que c'est? Non, j'ai plus de temps! Oh, c'était un champignon! Ah, putain!
Bon, le professeur. Alors, tout le monde, commencez par dessiner une circonférence d'un cercle au centre de votre page. Oh là là, oh le nulos de prof, quoi, il est ringard. Mais t'as pas une gomme, j'ai pas de gomme. Oh zut, j'ai fait un cul sans faire exprès. Et ben, ça restera un cul. Maintenant, fais... Attends, je vais faire sursauter. Faites deux triangles isocèles par-dessus le cercle. Un à droite et un à gauche. Comme ça. Oh, c'est un chat. 100% on finit par un chat. Un triangle de plus. Cette fois, un triangle équilatéral à l'envers. En plein milieu de ton cercle. C'est un chat. Très bien, les enfants. Maintenant, dessinez deux lignes incurvées qui sortent du lowest tip of that triangle. Ah bah oui. Comme ça, deux cercles vers le bas qui sortent de la truffe. Juste au-dessus des deux vertices de ce triangle, dessinez deux petits cercles. Ah, je crois que c'était censé être les yeux, non? Nous avons presque fini la leçon. Faites un signe égal au-dessus des deux côtés du cercle équilatéral. Mais il n'y a pas d'yeux. Attends, je me suis gouré sur les yeux. Il voulait que je les mette là, je pense. It's a cat! Bon travail, les enfants. Yeah! On va commencer à dessiner. Je sais pas comment faire un accent américain. Ok, je vais te préparer tes qualités de dessin en un et un temps. Partner? Ok, d'abord dessine-moi un rectangle pour faire un enclos à cheval. Pas de soucis. Ok, maintenant tu fais des bons vieux triangles par-dessus. On top, from end to end. Ok, on va dessiner un trompe en fait. Ajoute. Ok, tu vas ajouter un petit triangle vertical dans l'enclos à cheval. Dans l'enclos à poney. Sois sûr qu'il touche le côté inférieur. Oula, c'est la maison de Bowser. Hé, c'est presque une bouche, non? Tu devrais ajouter des yeux carrés à cet enclos maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? D'habitude, j'utilisais des plots de paille. Comment on dit? Des boules de paille pour tirer dessus avec mon pistolet Glock 900. Faisons une forme de croix dans chacun de ses yeux. Ah, mais c'est une maison. Ah, mais je suis con, ça devait pas être plein de petits triangles, ça devait être juste un gros triangle en fait. Ouh, et on a fini avant même qu'il soit le haut soleil du midi. Merci pour ton aide. Yeah! It's a house. Great work, partner! Gros baka! Oui, je suis un gros baka, un ceci baka. Bon, le temps c'est de l'argent et on est complètement fauché. Ah non, c'est un employé. Comment on peut faire l'employé? Mon patron m'a donné une deadline très limitée ici, alors on va faire ça rapidement. Fais un long rectangle, genre un billet. Je te fais un billet. Et tu peux pas faire $2 si tu ne fais pas de centimes. Alors fais deux petites pièces circulaires sur le bas de ce rectangle. Proche l'une de l'autre. Oh mais on the bottom, c'est... Bon, je suppose que c'est ça. 100% c'est une voiture. Alors je vais rajouter juste mon petit mug par-dessus ce billet pour pas qu'il s'envole. Oh non zut, maintenant j'ai fait une tache sur le coin droit. Une tache sur le coin droit, à quoi ça ressemble? Comme ça, I guess, il a fait une tache de café? Bon, je vais évaluer tes performances. Alors, je vais mettre des petits post-it sur une petite ligne le long de mon billet ici. Quoi? Some sticky notes in a line? Ah, mais c'est un bus. Ok, j'ai compris. Putain, c'est trop drôle avec les personnages, j'aime trop. On a fini? Mon boss va me virer si jamais je vais pas finir la prochaine réunion. C'est un bus! Ouais! Ah, c'est ça le. Ok. Oh, l'ouvrier. Allez, on va ramasser ta boîte à outils et on va se mettre au travail. Et toi, sois sûr que tu aies ton casque de sécurité.
Tu ne voudrais pas... tu ne vois pas... Tu peux pas voir la poutre en fer en acier vertical au milieu de la page? Si, je la vois. Elle est juste là. J'ai presque envie de faire un accent russe. On va devoir construire sur quelque chose. Alors fais une plateforme horizontale. Au-dessus de ce rayon. Ah mais c'est un peu chiant là. Bon. Elle sera petite la plateforme. Désolé monsieur. Les arches c'est super pour tenir les bâtiments. Alors fais une arche dessus de chaque côté de cette plateforme. Et ben, je suis dans la merde. Je vais refaire. Ok. Ah mais attends, je crois que je me suis trompé sur le premier prompt. Est-ce que c'était vraiment un truc, un rectangle? Ah, c'était un trait en fait. Rayon. Un rayon pour moi c'est ça. Et je l'ai encore fait trop haut. Mais non, la gomme. Ok. On a un rayon. Puis il a dit une plateforme. Attends. Oui, c'est ça. Puis une arche à gauche. Très bien. Il faut supporter cette arche. Alors, ajoute un rayon en L. Je sais pas ce que c'est un beam en architecture. From the top of that arch to the other end of the platform. Ah, je suis con, putain, c'est ça en fait. C'est pas ce que je viens de faire. That's a line to the right. Then a line down. Ah oui, oui, c'est ça. Si tu comprends pas, c'est juste une ligne vers la droite et une vers le bas. Un drapeau nous laissera savoir de quel côté le vent souffle. Alors mets un drapeau au-dessus de l'arche. Ouais, j'ai plus trop de place là. Oh. Ajoutons la touche finale et c'est raté. Oh, j'aurais jamais deviné la truc. Eh, hey, faisons des souvenirs ensemble. Ah non, c'est le... Je vais faire une voix de baiser, lui. Alors les campeurs, plantons cette tente en faisant deux lignes diagonales qui se touchent au sommet. Soyons sûrs qu'elles soient proches du sol. Ok, monsieur. Hop. Hop. Ok, maintenant faudrait pas se faire bouffer par des animaux. Alors faites une forme ovale en périmètre en bas de votre tente. Oval shape perimeter around the bottom of the tent. Ok. On protège la tente. Voilà. Ici, au camp dictionnaire, on fait toujours en sorte de mettre deux cailloux circulaires qui touchent le sud-est et le sud-ouest de notre périmètre pour porter bonne chance. C'est de la lithothérapie, vous n'avez jamais vu? Hop. What the fuck is that? Oh là là, les gamins, toujours à jouer avec leur lampe torche dans la tente. Je peux voir hein, qu'il y a de la lumière qui sort du haut de la tente. Hop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouah. Je peux vous... Waouh, cette lampe torche est tellement efficace à jeter de la lumière qu'elle arrive jusqu'à la lune. Rajoute une lune au bout de cette ligne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que j'ai de choc de fou. Between our tent and the moon. Oh là là, il y a des purées de nuages horizontaux, quoi. Ils forment une ligne horizontale entre notre tente et la lune. Ah! What? Je sais pas ce que c'est. Dormez bien, les petits campeurs. What the fuck? J'avais pas du tout compris ça. Eh, hey, tu pourrais me supporter pour une rep? Allez, on fait ça rapidement. C'est le jour des bras, là. Ok, j'ai mis la bouteille d'eau au milieu de la page, alors on dirait un petit cercle vu de dessus. Ok, bouteille d'eau. On va commencer avec un petit peu de lift, hein. Donc tu vas faire 3 plates de poids en triangle autour de cette bouteille. Mais qui a des poids triangle? Pose pas de questions. Avec tes bras, je suis pas sûr que tu puisses poser de questions là, avec ce trou dans le biceps, là. C'est quoi ces questions? Bon, ce sont des cercles avec des cercles dedans. Si jamais tu liftes pas, bro. Ok. Ah non, d'accord, il faut les dessiner en triangle. Mais elles sont plus grosses ou moins grosses? Bon, faisons... à mon avis, elles seraient plus grosses, non? Je pense qu'elles seraient plus grosses, on va les faire plus grosses. Donc, tac, 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 tac. Ok.
Et ça, c'est... Voilà. J'aime toujours finir avec des demi-crunch, alors fais une petite ligne incurvée qui connecte chacune de ces plaques à chacune. Pas de soucis, bro. Oh là là, quel entraînement! Je pourrais écraser, je pourrais carrément m'avaler un petit protein shake. Qu'est-ce que c'est que ça? À quel moment censé être simple? Je comprends pas ce que je vois. Je suis peut-être aveuglé. Bonsoir, qui nous a rejoint? Hello! Hello! Ça va? Ouais, tu viens de dessiner une spider, là? Mais de fou! J'ai un terre triangle chez toi. Oh merde, j'avais pas vu le chat du coup. Tu comprends ce qu'il faut dessiner là? Là pour moi c'est soit un... Attends, quoi? Protéine. Il y avait la bouteille au milieu, il a dit c'est un rond vu de dessus. Puis trois poids qui sont des ronds dans des ronds. Et après une ligne incurvée qui connecte chacune de ces plaques à chacune d'autres. Ouais, c'est pour moi c'est un spinner. Si, bah je mets un spinner. Non! Attends, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que je vois? En plus, ça me parle. On dirait un peu un rasoir électrique. Vu de face. Oh, c'était. Mais quoi? On a mis le head spinner! C'était mille fois un spinner! Oh non, mais c'est du. On aurait dit un appareil à massage aussi. Je sais pas ce que c'est. Ah, moi, je suis en décalé, du coup, j'ai pas vu. Ah merde, je l'ai pas stream. J'ai stream aussi sur Discord si tu veux voir le stream en plus direct. En instantané. Ouais, je reste quand même sur le stream pour faire un... Oh là là, ça fait plaisir. Eh, hey, merci pour m'aider à faire la fête ce soir. Allez, faisons une table pour nos invités. Ok. Hop. Zut, j'ai que des chaises en forme de triangle. Bon, c'est pas grave, c'est un peu cosy. Je vais les mettre en... J'en mets deux en dessous de la table et deux à l'opposé. Avec les pointes qui font... les dossiers qui font loin de la table. Fais sûr qu'il soit bien sous la table, hein. Oui, oui. On my way to do that. Donc ça fait ça, 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 et ça. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai, on aura plus d'invités que ça. Mettons d'autres chaises triangulaires au-dessus de la table. Au-dessus de la table. Attends, quoi? Non, mais... At the top, c'est là, ou c'est... Par-dessus le triangle? Non, je pense que c'est genre sur le... Là? Sur la face en haut, là. Ok. On va mettre beaucoup d'invités là, du coup. Ah non, c'est another! C'est pas others, en fait. C'est juste une autre. Ok, on va laisser celle du milieu. Ok. Je vais... What? Je sais pas ce que c'est Wavy Streamers. Je suppose que c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus. C'est toi qui est streamer. Hein. Oui, de fou. C'est des streamers. Oh, tout le monde est presque là. Rajoutons un bol circulaire près du bas de la table pour que je pourrais mettre des chips dedans plus tard. Ah non, near the top. Donc ça ressemble à ça. J'ai pas le temps. C'était une fusée. Mais quoi? Attends, mais il y en a plein en plus. Ah là, c'est le restaurant. C'est trop cool en vrai. Mais oui, le principe est trop stylé. Laissez-moi vous installer à votre table, mes amis. Ici, c'est le grand cercle au milieu de votre page. Une table pour 4? Je vois. Je vous ai mis 4 chaises circulaires autour de la table. Évidemment, espacées de façon équilibrée. Pour ne pas que vous ayez à supporter les bruits de mâchouiller de vos voisins roturiers. Ok. Ouais, boue les pauvres. Exactement, pas de pauvres ici. Ici, que des papillons et des lapins mignons. Mais pardonnez-moi, j'ai oublié de mettre le checker tablecloth. C'est pas genre la nappe? Ouais, pour moi c'est ça aussi. Mais est-ce que c'est genre une nappe qui est genre gigantesque, qui ferait toute la table, ou c'est juste... Ou alors, je sais pas, il y a tellement de formes de nappe. Ouais. Moi ce que je me dis c'est le checker tablecloth, je prends un pari très risqué mais ça me fait penser en fait à un truc comme ça. Je pense que c'est ça qui veut le dire, non? La nappe à carreaux. Ah ouais. Ok. Oh, et vous avez un autre ami? Pas de problème, je mettrai une chaise entre deux des chaises. Ah, c'est une tortue. Oh mais oui! Putain, bien vu! Turtle! Oui! Elle est trop chou. Oh, c'est fini! Oh! Oh les chaussures! Oh il a les likes! Oh le drip! Oh le drip! Oh mon dieu, le drip! Eh ben franchement, incroyable! Le jeu est tellement polish!
Il est trop beau. Attends, mais ça, c'est la version... Je sais pas, c'est la version... Nanana, quick update. Le jeu est disponible en navigateur, ok. Incroyable. Ah, de base, c'était designé pour du multijoueur. Ah, c'est vrai qu'en vrai, ça, en multijoueur, ce serait incroyable, mais il faut une réserve infinie de plots, quoi. Et de costumes pour les lapins. Oui, clairement. C'est très essentiel. Important. Oh, c'est trop bien. Ok, bah, le jeu est téléchargeable. N'hésitez pas du tout à y jouer, si ça vous plaît. Et on va passer à un autre jeu. Alors moi, je sais que je voulais essayer Inside Job. Je sais que c'est un reverse tower defense. Et sinon, il y a aussi Ragdolf, où on joue un... Attends, vas-y, je fais Ragdolf, parce que c'est drôle, en vrai. Ragdolf, c'est drôle. Faisons Ragdolf, je pense pas que ce soit très long. Je vais même pas expliquer la dynamique, la mécanique, je pense qu'on va le voir très rapidement. Hop. Est-ce qu'on voit toujours le jeu, là? J'ai mis en plein écran, je passe à... Attends. Donc, sur Discord, c'est en train de charger. Pareil sur Twitch. T'as une barre, là, qui se charge, c'est normal? Oui, oui, c'est normal. Bon, c'est bon, là. Super. Ragdolf. Oh, ok, ça va, y a pas énormément de niveaux. On va faire les 6 niveaux de base, et si ça nous plaît, on fait plus, mais... Pourquoi ça s'appelle Ragdolf? Eh ben, tu vas voir. On fait barre d'espace pour swing. Et lorsqu'on swing, on swing. C'est bien. Sauf que, on vise toujours la balle, évidemment. On est un bon vieux joueur de golf, toujours viser la balle. Sauf que la balle, tu vois qu'elle brille. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est faite d'un matériau tellement dur que... BOUM! C'est nous qui sommes projetés lorsqu'on frappe la balle. Ah oui, c'est du diamant. Exactement. Mining away. Jetons dans l'eau. Et pouf. Donc le but, c'est d'arriver à faire des... Home run. Pas des home run. Des home in one. Au lieu des hole in one. Haha. Ok. Cool. Alors c'est très difficile à décrire puisque du coup la prise en main est hyper simple et hyper agréable. Même si je pense qu'à l'écran ça va pas forcément se voir, mais seul bémol là j'ai l'impression que la flèche de chargement de puissance elle se charge beaucoup trop vite en fait. J'ai pas l'impression d'avoir pourtant, la main. On pas à l'atteindre. Ouais, mais parce que j'essaie de doser en fait. Parce que t'as vu. Ouais, dose. Wow. Oh, pis dedans. Incroyable. Oh là là, qu'est-ce que. Ça c'est du beau jeu. Eh. Hey. Je suis pas streamer PSU pour rien, hein. Non. Juste après. Ah, j'avais pas vu que... Attends, mais t'as directement des tricks à faire, là. Ah, mais oui. Hop là. Wow. Ah, c'est grave satisfaisant. Par contre, là, j'ai déjà fait la moitié du jeu. Ah, okay. Oh, mais... Attends de voir les niveaux de fin, hein. Ouais, j'avoue. Ouf. Oh, non. Oh, ça a l'air grave cool. Ok. Ok, ah, non. Ah, il faut anticiper. Ah non, mais c'est dur de ouf parce que il change de direction. Ah d'accord. Oh non. Oh là là. Oh la vache. Ouf. Et franchement, bah grave cool. Ouais, c'est grave cool. Le problème, j'ai l'impression, je sais pas, c'est voulu. Non, ça va. Franchement, ça va. Je trouve que la... Ouais, en fait, l'auto-aim est un chouï perturbant et du coup, c'est de la difficulté qui est entre guillemets pas désirable, je trouve. Parce que tu te sens un peu limité par le système de comment le jeu a été fait en fait. Pour l'instant ça va. Wow, ok. En fait j'ai eu l'impression qu'il visait trop la balle du dessus. Ah là c'est bon. Je pense que je dose juste mal en fait. Je dis de la merde sur le jeu alors qu'en fait il est très très bien fait. Oh putain. Ok. Ok. Et donc là il faut. Ah en fait je veux pas être. Ah. Il y a une question de timing pour l'angle. Enfin c'est logique mais. Là, faut que je fasse gaffe, donc... Boum. Ok. 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 Et là... Là. Ah, mais en fait, il y a un délai. Ok, ça demande du skill, du coup. Il y a un petit délai entre le moment où tu relâches et le moment où il frappe. Parce qu'il y a un petit... Le mouvement qu'il fait, il a anticipé. Ok, maintenant que j'anticipe, ça marche beaucoup mieux, d'un coup. Trou. Comme diraient nos amis français. Oh, la vache. Waouh. Oh mais what? Ok. Ah tu peux skip le level. J'ai l'impression qu'il y a grand moyen de le faire en un coup. Ah non. Ah oui non non ok c'est un peu plus dur que ça en a l'air je pense. Ah non mais. Bon d'accord, je suis tombé pile entre deux balles. Hop.
Mais je peux pas me... Ah, mais je peux même pas m'orienter en l'air. Je fais un truc beaucoup plus doux. Hop. Oh non. Je tente le cheese. Oh oh. Oh non, trop bas. Zut. Oh non. Ok. Ah. En fait, on peut pas. Sinon, ouais, on survole l'île en fait. Forcément, faire un truc un peu en l'air. Ok. Non. Presque. Le délai fait tout en fait. Sinon, le jeu était trop facile sans délai. Ok, ouais. Super. Ouh. Aise réel. Facile réel. Qu'est-ce que. What? Attends. Quoi? Ah, ça te fait retourner en arrière? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ok. Faut juste faire un bon angle, quoi. Ok, non. Ouah. Ah ouais, mais trop fort, ça te... Ah ouais. Ah. Oh. Quoi? Ok. Oh. Oh non. Miaou. Ah, mais c'est bon. Me dis pas qu'il y a du trou à droite, là, à gauche. Ah, c'est bon. Oh, ok, ça va. Wouhou. C'est le dernier niveau, je crois, du coup. C'est ça. Ok. Bon, t'as juste fait le Storm cool. Remix. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, y'a du vent. What the fuck, le vent est trop fort. Ah, c'est pour si t'as envie de genre charger la balle de... Enfin, charger le coup de ouf. C'est ça. Non, mais on peut passer en dessous. Ok, on peut. Oh. Ouf. Et là, je suis à fond. Oh. Ah, mais le vent est dans l'autre sens. Putain, j'avais même pas vu. Là, le vent, il est ouf. Ok, il est comme ça. Du coup, là, je suis à fond. Ah ouais. En fait, sinon, je suis juste vers le haut, comme ça. Ah, c'est pas suffisant. Serre plus fort. Je pense qu'il faut que je mette hyper à l'horizontale et je fais... What? Ah oui, bah, de toute façon, t'es obligé de faire comme ça parce que ah, oui, t'as pas la balle. Je viens de voir qu'il y avait pas la balle. Wouhou, oui. Ah, intéressant. Dommage qu'ils aient pas eu le temps de faire plus de niveaux parce que la mécanique des tapis roulants, elle a été utilisée qu'une fois. Oh la vache. Non. Ok. Ok. Ah, presque. Mais quoi? How am I even supposed to do that? Non. Zut. Oh. Ah, presque. Allez! Purée. Celui-là, il a l'air vraiment chaud. Zéro concentration. Ah ouais, non. J'arrive même pas à... Oh. Il faut que je sois sur la dernière. Oui, je pense comme ça. Voilà. Waouh. Nickel. Trou! Est-ce que quand tu te déplaces, tu sens que t'es poussé par le vent ou pas? Oui, oui, oui. Au sol, tu veux dire? Ouais. Non, non, au sol, non, pas du tout. C'est que en l'air. Wouhou. Il serait satisfaisant, celui-là. Celui-là, c'était juste pour plaisir. Vraiment. Oh, mais attends, je peux juste me drop sur le trou, non? That's what he said. Non. Wouhou. Ok, bah sympa, franchement. Très fun à prendre en main. Je pense qu'ils font plus de niveaux et tout, ils en font un jeu mobile hyper addictif. Ils se font de l'argent sur le dos de joueurs fragiles. Moi, en mettant plein de pubs. Exactement. Et en mettant quand même des microtransactions. Qui n'enlèvent pas les pubs, même si t'achètes. Plus un New Game Plus à 15€ de plus. C'est ça. Plus un DLC qui ajoute un autre skin et des danses Fortnite, des emotes. Et voilà. Là, on tient l'essence du jeu 2024. Vraiment. Testons celui-là parce que là, il a un pixel art trop cute et j'ai juste trop envie de le tester. Il n'y avait pas un autre que tu voulais essayer? Si, c'est celui-là que je voulais trop essayer et après celui-là, je sais pas trop. Ah oui, c'est celui, le Tower Defense à l'envers? Yes. Inside Job. Faut attaquer le...
Oh, zut. Attaquer les tours. Le peuple n'éprouve pas du tout mes façons de faire. Je ne sais pas exactement, on va découvrir ensemble. Ah, peut-être que j'aurais pas dû augmenter les taxes. Bon, c'était un peu une idée de merde. Ah, réfléchis, votre majesté. Allez, il parle lui-même. Réfléchis. Qu'est-ce que les gens pauvres, qu'est-ce que les pauvres veulent faire quand ils rentrent chez eux de leur SMIC, avec leur SMIC? Oh, je sais! Il n'y a rien qui unit mieux les gens qu'un ennemi commun! Mais où est-ce que j'en trouve un? Je suppose qu'un petit peu de false flag, je ne sais pas ce que c'est. Shenanigans, un petit peu de manigance ne ferait de mal à personne. Tout ce que je dois faire, c'est invoquer quelques serviteurs à ce point d'apparition juste ici. Je savais que faire nécromancie 101 m'aiderait un jour ou l'autre. Ce cours d'introduction à nécromancie. Utiliser... Oh, on peut bouger! Trop stylé. Et presse 1 on a spawn point. Bouh! 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 Allez-y! Augmentez ma cote de popularité! Ah oui, donc rien de défendu, juste spam en fait. Putain, le pixel art est trop chou. L'animation. Franchement, le roi qui se squitch à chaque fois que tu te déplaces, waouh. Top tier. Ah ouais, vraiment, je le mange. Directement. Je suis un roi, alors je peux utiliser n'importe quel point d'apparition que je veux. Je dois juste être assez rapide. Un petit peu de cardio n'a jamais fait de mal à personne, pas même aux pauvres. Il dit vraiment pas même aux pauvres? Non, c'est moi qui l'ajoute. Parce que j'ai pas eu le temps de lire. Attaquez en même temps! Smicard, unissez-vous! Oh mon dieu. Oui, ils passent seulement quand ils sont à deux, c'est logique. Je sais pas comment on fait de l'animation comme ça en pixel art, j'aimerais bien savoir. Genre... Bon, je sais pas comment on fait de l'animation tout court, donc... Parce que tu vois, en fait, à chaque fois, j'ai ce truc de... Il y a deux types d'animation, j'ai l'impression. Il y a le frame par frame. Genre là, j'ai l'impression que le drapeau est animé en frame par frame. La pièce en frame par frame aussi. Mais lorsque les trucs se squish, en fait, il fait squish les trucs. Et pareil, quand il se penche et tout. Et ça, je sais pas comment on fait. Cette forteresse est mieux gardée. Des squelettes, des smicards de base ne m'aideraient pas du tout. Cependant, il y a aussi... Loose change, comment on dit ça déjà? La petite monnaie! Chaque cinquième serviteur drop son smic lorsqu'il meurt. Je peux le ramasser et utiliser pour améliorer les autres soldats. Ils deviendront plus rapides et plus résilients. Oh, comment j'améliore? Pick up gold et press the upgrade button. Pouf! Oh, ils sont meilleurs! Oh! Il a une couleur différente, comme dans tous les JRPG qu'on jouait quand on était petit, ça veut dire qu'il est plus fort! Ah non, ça veut dire que t'allais dire un truc d'une dinguerie là! J'allais dire quoi? Tu sais, qu'il est d'une couleur différente donc. Ah non, putain! Oh mon dieu! J'ai vraiment eu peur hein! J'ai pas l'impression que ce soit tant que ça amélioré cependant. Ouais, si, ils vont un peu. Si, ils vont plus vite! Ah, ils vont plus vite! Ah oui, ils vont bien plus vite en fait! Ah oui, il y en a plein qui sont passés en plus. Pouk, pouk, pouk. Je leur promets plus d'argent, du coup ils vont plus vite. Allez-y mes squelettes. Squish, squish, squish. Squish to victory. Victoire. Plus mes serviteurs parcourent la distance, plus je débloque de capacité. Je vais juste garder un œil sur ma barre de progression au-dessus de mes icônes de capacité. Lorsque la prochaine est débloquée, je peux assommer tous les ennemis proches, toutes les tours ennemies proches pour quelques secondes. Oh. Unlock new ability by progressive on the map. Wow. J'ai pas compris comment ça m'a... Passe ! Vite ! Oh, il est passé. Pas trop compris comment je débloquais le truc, mais... Fine. Mais progressing on the map. Je suppose que c'est la barre bleue qui s'est remplie là, mais... Ah, mais je vais faire du deux fois, ce sera un peu plus rapide. Hop. Si j'ai besoin de ça, il se passe quoi? Je suppose que ça va durer plus longtemps. Hop, c'est dur de se diriger de...
passe, petit soldat, jaune. Du coup, tu récupères pas la pièce? Ah non, j'ai pas vu la pièce. Zut. Très bien. Les sondages disent que je suis encore plus populaire qu'avant, mais pas assez rapidement. Il faut que je teste mes nouveaux mignons. Les prêtres peuvent soigner les autres mignons, mais ils sont squishy, tout comme moi. Et les chevaliers sont exceptionnellement moins squishy. Même les explosifs ne peuvent pas faire fondre des boucliers d'acier. Je presse X to doubt. Très bien. Il est l'heure de mettre tout ce que j'ai appris en bon usage. Ce sera la dernière fois que des gens qui disent la vérité parleront sur des générations. Ces complotistes là qui pensent que je suis mauvais dans les sondages. Oh. Ah, faut les débloquer? Non, je comprends pas. Si, faut les débloquer, je peux pas encore débloquer. Mourez! Ah, mais en fait, du coup, il n'y a pas de. Je suis en train d'y réfléchir, mais. Il y a juste un tout petit problème avec ce jeu, c'est qu'il a pas l'air très difficile en fait. Enfin, là, je comprends pas trop d'où vient la difficulté du jeu. Ça a plus l'air d'être un puzzle en fait que autre chose. Ah! Déjà, je viens de capter un truc stylé en fait. J'ai compris la barre de progression quand elle marche, c'est hyper intéressant. Merde, j'ai utilisé mon zap pourri. Passez vite! La pièce. Upgrade donc les prêtres. Ah zut, j'aurais dû débloquer chevalier peut-être. Putain, il heal bien l'autre. Oh là là, j'ai fait toute une team là. Hop! Allez-y, passez. En fait, je pense juste en invoquant. T'as une pièce là-haut! Ah oui, bien vu! Hop, on a pris des chevaliers. Hop, je spam. Allez-y! And then I deactivate these towers. Attends, le chevalier il prend grave cher par contre. Je vais spammer à fond les unités. Et après, je vais aller. Ok. Voilà, là ça devrait être très bon. Oui, là ça devrait être bon. Oui, pénétrez tous le château de mon concurrent politique! Ok, c'est très très cute, mais pour l'instant. Oh! End! Finally, my quest is done! Le peuple doit m'adorer de ouf à ce point-là! Allez les gars, je suis prêt à entendre plein de louanges! Les gars? Mais où c'est parti tout le monde? Merci pour jouer. Ok, cute. Bah, très cute, mais ouais. Très très cute, mais pas vraiment de. Il n'y a pas assez de niveaux là pour évaluer la difficulté. J'ai l'impression que c'est un peu simple. Qu'il y a enfin, en fait, juste tu progresses et ça fait. Et genre, il n'y a pas plus que ça. Mais bon, très très joli. Ok, et bah, retournons sur la page des jeux. On peut en faire encore 2-3. Est-ce qu'il y en a qui te parlent là? Je sais que Princesse Paladin était bien noté. Peut-être le Brady or Not, ça a l'air cute aussi avec le pigeon, ça a l'air drôle. Bah, je pense d'ailleurs que je vais tester Push Viewer for Free. Ok, bon, on s'est reçu le message d'un bot. Merci le bot d'avoir envoyé un message dans le chat Twitch. Allez, je vais tester Brady or Not. Ah mais si, je vois ce que c'est un Vampire Survivor. Ah, il faut forcément le télécharger? Bon, du coup, vu qu'il faut forcément le télécharger, je testerai plus tard. Oh, Versus Snake, ça avait l'air très très drôle. Je vais faire Versus Snake. Ah, c'est aussi à télécharger. Ouais, mais en vrai, j'ai bien envie de le faire celui-là parce qu'il a l'air assez drôle. C'est un jeu dans lequel on est en 1v1 contre Snake, et Snake, c'est Nia, du coup. Il faut pas se faire manger, je crois. Est-ce que ça télécharge? Oui. Oula, pourquoi j'ai une utilisation de téléchargement aussi lente?
Oh waouh. Coupe de France route. Pour les joueurs de route, s'il y en a qui passent par la VOD, il y a une Coupe de France route qui a été annoncée. Incroyable. Ça, ça a l'air très drôle aussi, Under Level. Ah oui, pause, ça a l'air marrant aussi. Bon, le téléchargement met beaucoup trop de temps. C'était parce que je suis en stream. Donc, tant pis pour ce téléchargement. Voyons voir si, par exemple, celui-ci, il est jouable. Non, je crois pas. Non. Faut qu'on en trouve d'autres qui sont jouables sans télécharger. Alors, on peut faire... Bah pause s'il est jouable en ligne, je suis très très chaud. Oh parfait. Donc pause, il me semble que c'est justement un jeu dans lequel la mécanique de pause a une grande importance. Mais je ne sais pas exactement comment. Oh. Sympa. Oh, je crois que j'ai mis la nouvelle version du coup. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Ah, c'est ça, The Expanded Version. Ok, bon, on va jouer à la version un peu améliorée. Donc ça vaut pas le coup de le comparer avec les autres, vu que là c'est la version full polish. Mais ça doit être assez sympa. Pause to Play Deluxe. Un jeu de Red Pilcher ou Ekrem Brown. Trouvé sur itch.io. Et l'art a été fait par Alyssa Pilcher. Oh, ce sont peut-être des frères et sœurs. C'est très très cute de coder en frères et sœurs. Coder en frères et sœurs, puisque frères et sœurs est un langage de programmation, comme vous savez très bien. Ok. Attends, je vais regarder les contrôles d'abord avant de faire n'importe quoi. ZQSD, space pour sauter, et shift pour pause, ou escape. Et on peut fast fall. Ok. C'est parti! Let's go! Ok. Et là, si je fais Shift, il y a pause. Ah oui, on peut. Ok. Et on peut. Oh, le bruit! Le monk! C'est parfait! Oui! Oh, le bruit! Mais les bruits sont trop bien! Mais oui! Comme quoi le sound design peut tout faire. Oh! 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 Oh là là! C'est quoi? Je comprends ce que ça se fait, ok. Ah, je remonte dans le temps, j'ai l'impression. Non? Je sais pas. J'ai l'impression que ça s'accélère ou pas, mais ouais. Le fond s'accélère pas, donc je sais pas. Ça, c'est la gravité. Ah bah, je fais moins de gravité! Dans les settings, évidemment, on modifie la gravité. Oh non, j'ai fait plus de gravité là! Moins de gravité. Oui! Oh oui, ça marchera beaucoup mieux. Ya! Yeah. Comment je vais sauter? T'enlèves pause et tu remets? Oh! Oh! Ah! Eh oui, j'ai un très gros cerveau! Oh, il y a une musique. Je me dis pas qu'il y a une victoire différente à chaque niveau, c'est incroyable. What? Y'a du lore? J'ai pas le contrôle sur ce qui se passe. Ah non, j'ai l'impression qu'il y a juste un bug d'affichage. De la box. Ah non, il y a peut-être pas un bug d'affichage. Merde, non, c'est pas ça que je vais faire. Il y a peut-être un problème de luminosité. Non, c'est pas ça. What? Ah! Ah! Ok. Attends, what? L'étoile est dans ça en plus. Ok. Peut-être que tu peux décaler la boîte. Oui. T'as l'air d'avoir un truc. Décaler la boîte. Ça. Genre je peux monter sur la boîte. Non, non, non. Oh oui. Oh non. Attends. Oh, tu peux pas décaler le setting. Non, je crois pas que je puisse. Je pense que là. Parce que c'est quoi les flèches vertes sur les côtés. Ça c'est juste. Retour, je crois. Ça, c'est retour. Et l'autre... Non, ça fait rien. Elle fait rien. Ah.
Ok, donc là je peux avoir. Il faut l'étoile par contre, sinon je peux pas sortir, c'est ça? Ah si, je peux. Ah mais on veut l'étoile! Attendez! Ça change de couleur! Ah oui. Ah j'avoue! J'ai cru que j'étais pas dans mon niveau. Oh, en fait. Si, faut rezoomer! Oui, sûrement. Bon, j'avoue, c'est comme ça qu'on a là. Celui-ci, je me l'étais déjà spoil parce qu'il a montré celui-là et j'avais vu le truc de zoom. Mais en effet, il me semble qu'il faut rezoomer. Et d'ailleurs, je crois même que zoomer, ça change ta taille, si je dis pas de conneries. Il y avait un truc comme ça. Ah non. Eh bien, ça doit être. Ah, bon. Ça doit être dans d'autres niveaux. Ah non, si, je suis grand de ouf là. J'ai l'impression. J'ai l'impression que tu fais la même taille, hein. Ah non, je fais la même taille. Let's go. Le petit chapeau, là. Yam. Tu aimes le métal? Chapeau. Ouais, bah en fait, l'horloge, ça fait le temps, en fait, je viens de capter. Rien de quand je fais ça. Tout se passe au ralenti. Alors, si je fais ça... Fais vite. Wahoo, wow. Est-ce qu'on va avoir un bonk accéléré, du coup? Oh, je veux au ralenti. Oui. Bonk. On veut un bon. Un bonk. Il est trop grave. On dirait presque un tambour traditionnel. Oh, c'est du taiko là. Oui, c'est ça. Tu sais que j'ai découvert ce truc aujourd'hui, genre. Ah, pour ça, je l'appelle tambour traditionnel. Oui. Dans mes recommandations, il y avait genre. Enfin. Un truc compétition World Championship de taiko. C'est trop cool le taiko. Ça a l'air. Alors, use the arrow at the top switch to switch menus. Arrow at the top to switch menus. Ah oui, quand... Tu sais, les flèches vertes, là. Ah. Ah. Mais... Attends. Setting. Mais l'autre flèche, elle marche pas. Ah. Attends, peut-être si je quitte le plein écran. Put. Et genre. What? Comment je peux mettre les. Est-ce qu'elle est plus accessible? Ah bah oui, c'est important quand même! Oh la luminosité! Parce qu'en fait, la flèche elle est bloquée par les. Ah, par le. Ouais, quand elle est entre les deux là, ça marche pas en fait. Y'a pas. Merde, non, je veux pas la tout collection. Même si je l'aime beaucoup. Non. Oh non, me dis pas qu'on a perdu la progression. Je pense que tu peux faire les niveaux, non? Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, t'as un overlay, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un peu... Ah oui, toi, tu le vois pas, du coup? Bon, si, si, mais... Je savais pas si c'était sur... ce que les viewers voient ou ce que toi, tu vois. Ah oui, ok. Ah, et bah, du coup, faut qu'on cherche l'étoile parce que là, on a de quoi monter si on bouge la gravité. Mais on ne sait pas où est l'étoile. Tu zoom, elle est peut-être un tout petit. Ah, peut-être. Attends, je vais juste monter là-haut d'abord parce qu'on a l'impression qu'il faut monter là-haut, je trouve. Je vais monter là-haut. Et on va voir s'il se passe un truc. Rien. settings. Ah, je suis monté. Oh, c'est vrai que je peux me faire monter. Oh! Ah! Et c'est comme ça que je suis tout petit. Oh! Wouhou! Ok. Est-ce que c'est possible que tu fasses genre toute la pièce? Je pense pas. Je peux pas. Je pense que c'est une question de luminosité, sinon ils auraient pas dit de changer de menu en fait. Du coup, je vais juste scroll vers le bas et cliquer comme ça. Voilà. Ah! Oui, nous on veut l'étoile. Si je mets au max. Au max du max! Je sais pas. Au son. T'as peut-être un autre menu pour l'étoile? Ouais, peut-être. Ah, j'ai pas baissé le. Attends, comment j'avais fait? J'avais fait là, je crois. Non, j'arrive pas. Attends, what? Pourquoi j'arrive plus à changer de menu? Ah, c'est bon, là je vais arriver. Ah oui! Ah oui, elle est là!
Attends, what? Pourquoi je la vois que là? Enable drop down. What? Reset scale. Snap to. Ah oui, mais c'est comme si t'avais genre. Player cam. T'étais sur d'autres plans. Ok. Donc faut que je la chope dans ce plan-là en fait. Oh, mais c'est chaud de fou. Comment je vais réussir à aller là? Bon, déjà, désactive la player cam et je chante. Non, je peux pas le bloquer avec le. Il fait un peu bader le. Ouais, de ouf. Tu peux pas être en haut avec ton. Ton truc anti-gravité? Voyons voir. Ah ouais, non, attends, tu seras pas sur ton. Non. Après, si je zoome un peu plus, je peux me faire monter là-haut. Est-ce que t'auras le temps de choper l'étoile en changeant de menu? Non, je pense pas. Ah ouais, non. Après, en fait, je pense qu'il faut que je monte là-haut. Avec ce menu pause, je vais là. Je pense que ça va être un truc comme ça, genre, si je fais ça. Ensuite, je reviens dans le menu pause normal, je monte là-haut. Là-haut. Voilà. Ici, je fais pause. Tu fais which menu? Ah oui, non, ça le met en vrai pause. Et là, je peux... Non. Hop. Non, je voulais pas. C'était sûr. Je voulais me faire traverser sur le. Mais c'était sûr, en fait. Ouais, il fait peur, celui-là. Ouais. Bon, on va peut-être pas choper l'étoile dans tous, en fait. De toute façon, je pense que je vais faire un ou deux niveaux de plus, parce que, comme j'ai dit au début, les jeux de puzzle, c'est pas toujours mes préférés, en vrai. À faire à plusieurs, j'aime bien. Ça, c'est parce que t'es nul. Hein, quoi? Bannez-moi ça. Où est mon modo? Où est mon modérateur? Ah, Harry Pikachu. Non, maintenant, tu reviens sur le plan avec les cases, et tu vas à sa position, ça devrait le faire, même si elle est invisible pour toi. Vas-y, bah on va tenter sur les conseils de Harry Pikachu. Tab. On revient sur le 4. Et là, on fait juste, du coup, basse gravité. Into hop. Into hop, hop. Into hop. Non, ça... Bannez-moi ce joueur aussi, du coup. Hein. Sinon, t'aurais pu sortir avec la porte sans la voir. Non? Oui, j'ai squishé. Si, non, mais si ça fonctionnait comme ça. Ah oui. Ah bah oui, j'avoue. J'avoue, c'est pas con. Je vais mettre sur le côté et voir si ça marche, si je fais... Voilà. Et là, je fais ça. Hop. Et ça. Miaou. Et normalement... Mais là, il faut que je saute et que je change de menu. Let's go! Tout ce que je t'avais dit de faire, c'est de sauter menu en plein vol. Ah ouais, c'est que tu veux. Enfin, ça écoute pas ses vieux frères, quoi! Pépé! Prends le kazoo! Incroyable, le kazoo. Mais qui nous a rejoint? Est-ce que ce serait pas Harry Pikachu à tout hasard? Mais ce serait pas. Ah non, c'est Henri Lf! Tu es muté, ok. Henri la légende, qui est mute. Ah. Peut-être qu'il est mute IRL. Ah oui. Peut-être qu'il est devenu muet entre temps. Yoho qui nous dit dans le chat vocal. Je pense que Henri est devenu un pirate. Ouais. Ouf, on va se faire grimper en faisant comme ça. Hop. Fatigue salle commune. Comment je vais faire là? Drop down dark. Ouais, je comprends. What? Oh, ça fait peur! Ouais, là c'est vraiment dark. C'est à l'épique! Player cam, ça me fait rire le player cam. Et l'étoile elle est tout là-haut. Okay. Déjà, mettons plus de luminosité, je pense que ce sera mieux. J'en ai même un peu trop là. J'espère que ça pique bien les yeux là. Miam. Autant que l'épique! Exactement. Qu'est-ce que je. Zoomer. Tu peux pas passer par-dessus avec ça
Là, le truc de gravité. Avec, au-dessus des pics, je pense pas, je vais essayer. Parce qu'en fait, quand je la mets tout en haut, ça augmente la gravité. Oh ! Bah, j'ai rien dit. Voilà quoi. Oh, j'ai regrandi. Comment j'ai regrandi ? Non, mais le but c'était d'être petit. Attends. Reset scale. Ah, j'ai dit avant toi, du coup c'est moi qui ai eu l'idée. Hop. Ah, et là, faut que je... Oh, l'enfer. Je tente l'étoile. Moi, je peux pas. Bah oui. Je crois que je suis pas assez petit. Tu recommences au début si... Ah oui, c'est ça. Bah, c'est non, zut. Pardon. J'ai rigolé ton malheur et c'est tu mal. Tu as bien fait. Oh. On retente. Allez, on retente. Allez, on fait juste celui-là avec l'étoile et après j'arrête parce que ce jeu... Le... En plus, il faut que je mange, moi. J'ai pas mangé encore. Mute facile, c'est le big brain. Cerveau est gros. Putain, mais... en fait, je croyais qu'il fallait appuyer sur tab dans le menu pause, mais en fait, non, faut juste appuyer sur tab pour changer de niveau. Hop. Oui. Monte. Oui. Ouf, c'était chaud. Baisse ça. Monte ça. Hop. Ah, oh, c'est bon. Je crois que j'ai réussi à éviter la porte. Ouais. C'est quoi ce cri? J'ai peur de me prendre la porte. Oh, je peux. Attends. Yeah. Yeah. Rentre. Oui. Et là, je mets en gravité la plus basse possible. Je pense que c'est pas suffisant, je pense qu'il faut autre chose. Si, c'est peut-être suffisant en fait. Bon, déjà, mettons plus de luminosité. Je sais pas si non, ça snap. Non, tu fais des bruits bizarres, Diorit. Eh ben écoute, arrête de triquiter mes streams. Je reprends depuis le début. Bah ouais, sinon il y aurait pas de pic. Dieu, j'ai quitté encore. Je croyais que t'avais rage quitte. Ça aurait pu, mais je ne rage quitte pas, moi. J'ai pas peur des défis. J'ai pas peur des viewers qui disent que je suis nul. Aïe. Oh, le bruit, là. Bruit. Non. Mais... Je pense qu'on n'est pas assez squishy, c'est pour ça qu'on perd. You. Parce que depuis qu'il a remarqué que je fais plein de bruit de bouche, j'en fais encore plus. Ouh. On passe. Oh, oh la vache. Attends, mais comment... Attends, bah... attends, si tu zoomes, est-ce que tu peux mettre le menu ou ça reset le zoom? Tu veux que je change de... Oui, je peux mettre le... La luminosité. Là, je peux... Attends, je peux... Ah non, je peux... ça peut pas te... Je peux dézoomer. Hein. Et là, mettre la luminosité. Et encore, peut-être encore dézoomer. Non, je pense pas que ça va être suffisant. Non, ça marche pas. Par contre, tu peux zoomer et bloquer avec le temps, non? Zoomer et bloquer avec le temps. Avec le... Genre, tu zoomes? Mais je pense que je peux le faire, le job. Genre, tu montes le truc du temps, et ça te fait une plateforme plus proche. Pourquoi ça met une plateforme plus proche? Mais non, mais tu la mets au niveau des pics, ça cache les pics. Attention, hein, ça va vite, par contre. Je sais pas si... Ah ouais, désolé. Oh, je me suis fait dissoudre comme un vieux plancton. Oui. Bah, viewer diff, hein. Je me suis vraiment viewer diff. Ouais, t'as vraiment la pire commu, quoi. Franchement. Je vais arrêter le stream, du coup. Oh, j'étais bonké en permanence. Ok. Non, mais en vrai, ça me semble être une bonne idée, mais je me demande si le jump est pas juste faisable, en fait. Ouais, avec ces stats-là. Non, mais surtout que, genre, si t'accélères, en fait, t'es juste mort, quoi. Ok, bon, là, j'ai ri de chauffe, parce que le jump est faisable. Ne pas rire du malheur des autres, j'ai dit. Même quand son sang tord le ventre. Même qu'on a des larmes qui coulent de rire. Oh! Même quand je vomis de rire, là. Vomis.
Oh, le petit monk. Pardon. Je suis... Le temps accéléré est pas mal pour aller plus vite. Mais qu'est-ce que je fais? Putain, mais je vais franchir la barrière microbienne, là. C'est moi qui vais infecter les virus. Tellement je suis petit. Hop. Oui. Oui. En fait, je pense que la logique, c'est je baisse ça, donc ça ralentit le temps, parce que je suis obligé de monter avec ça. Donc ça me sous-entend qu'il faut que je ralentisse le temps. Je pense que c'est ça, alors... Voilà. Oui, je peux largement planer. Ouais, mais non, ah, mais en plus, je peux fast fall. Ah, mais je peux largement, en fait. Regarde. Hop. Ah non, j'ai envie de crever. Mais comment je fais? Genre, tu t'es bonk, c'est pour ça que t'es pas mort, enfin... T'avais le toit, en gros. J'avais le toit, et donc c'est pour ça que je suis pas mort. Non, j'ai pas compris le propos. Bah, celui du dessous. Celui du dessous. Celui du dessous. Tu c'est vois... Quoi, celui du... C'est quoi celui... Le jump du dessous. Ah. C'est... Oui. Ça t'empêche d'aller j'ai plus plafond. Haut parce que t'as un plafond sans pic. Oui, d'accord. Et là, t'as des pics. En fait, je peux faire des petits jumps, c'est juste que je choque. Genre là, je choque en continu. Et je ne sais même pas pourquoi. Juste que je prenne ah le chien. Là, tu fais un tout petit saut comme ça. Je sais pas si c'est trop en fait. Faut qu'on teste. Chez à qui? Je pense qu'il chait tout le monde. On ne discrimine pas quand on chait. Mais rentre. Elle est trop petite. C'est ce qu'elle disait. Rentrer. C'est ce qu'elle disait. Purée, non, je suis trop grande. J'en ai une trop grande. Ah, c'est bon. Comme l'a dit un grand philosophe, salam alaikum. Salam alaikum. Oh non. Oh, je crois qu'on va faire un live entier juste pour avoir cette histoire. Attends, je reconnais ta voix, Yuki. Est-ce que par hasard tu es Oli? Quoi? Non. Est-ce que par hasard tu es Oli? Non, ce n'est pas Oli. Ou une apparence. Pourquoi la deux hiboux aussi? Non, mais là c'est Duolingo, c'est pas pareil. Non, mais moi c'est Duolingo. Attends, Oli. Ah, mais Oli, c'est la présidente. Oui. Ouais. Ah, oui, non, je suis. Oh, rien. Je suis la présidente. Ah, mais je peux voyager comme ça. Attends, comment on se connaît? Déjà, on a League of Legends, c'est une très bonne information. Ok. Est-ce que t'as des lunettes? Wesh. Oui. Est-ce que tes lunettes ont deux verres de formes différentes? Non. Non. Non, c'est pas moi. Mais non, je connais la personne à qui tu parles. Oui. Mais non, c'est parce pas que moi. Genre, je trouve que ta voix ressemble, donc... Ouais, non, non. En fait, d'habitude, je me travaille pas avec mes lunettes parce que je suis borgne, donc ça me sert à rien. Mais oui, je vois l'idée. Mais du coup, je vois pas qui... Moi non plus, bah, je vois pas qui j'étais venue aussi à la session de JDR. Il y avait aussi la fille, justement, dont tu parlais. Mais non, je suis une personne qui... Elle était où par rapport à toi? Elle était en face du MJ et moi j'étais à la droite du... Non, à la gauche, pardon, du MJ, parce que j'inverse toujours ma droite. Mais ma gauche, mais... Ouais, Regarde. Ah oui, du coup, ça devait être toi qui étais à ma droite. Regarde. Mais t'es la fille qui voulait devenir un vampire. Oh là là. Non. C'est pas la fille qui voulait devenir vampire. Est-ce que t'as une fille qui a joué un chat machin chouette? Non. T'as pas fermé des gens? Ah si, si, pour les tuer. Putain. Ouais, c'est genre de... De toute façon, tu t'es pris une balle. Ouais, c'est okay, c'est bon. Oui, du coup, j'étais bien assis à ta droite. Pas bien. Par contre, très bon jeu. Il y avait aussi un garçon qui était là avant toi et qui voulait aussi charmer des gens. Voilà, c'était une anecdote. Et après, t'avais le Saint-Père des carottes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'écran est orange? Ah, c'est bon. Tu as hacké ton jeu. Oui. Je ne sais pas comment c'est possible, mais tu as hacké un jeu que t'as acheté. Je ne l'ai pas acheté. C'est un jeu gratuit sur itch.io développé pour une game jam. Pourquoi j'ai un peu à... Mais non, la dernière. Je pense que c'est que t'as mis trop de temps à résoudre le jeu, quoi. Non, tu mais. Tu es en train de dire, t'es trop nul. En fait, j'ai tu mis le curseur trop et maintenant j'arrive plus à. Ah non, j'ai compris. Non, j'ai pas compris, visiblement. Comment ouais, je pense que tu peux relancer la page. Hein. Non, rien, je vais juste scroll. Et là, voilà. Je sais pourquoi j'ai dit voilà avec ce ton-là, c'était un peu chelou. Putain, genre, voilà. Bon curseur.
Par contre... Moi, je pense que Maréchal Mam, ça a raison. Je suis hors... je suis hors écran. Mon perso est hors écran. Bon, je pense qu'il y a des moments dans la vie où on n'a pas ce qu'on veut. Et c'est un de ces moments-là. Et je vais arrêter ce jeu, car j'y arrive plus. Voir, ah, ça, le live est triste et déçu de voir foirer comme un nul. Ah oui, j'avais pas vu, fais voir le chat. Un seul plan à case, la puissance à faire. Pour explorer en stream, t'as remplacé STP, son cerveau est plus gros que le tien, Nat. Ah. Attends, où est-ce que c'est dit ça? Non, non, mais c'est. Attends, ah, c'est sur Twitch? Oui. Ça se trouve, je prends pas du tout, même Maréchal. Ça se trouve, je prends un coup de ça avec un autre Maréchal. Non, c'est limite Maréchal, let's go. Et bah, ouais, voilà. Récupérer la clé du. Ouais, bah. Du coup, on va vraiment faire rôle inversé IRL. c'est exactement ça. Bah, je pense que c'est sur cette notion-là qu'on va finir ce stream, du coup. Mais oui, au cas où, d'ailleurs... Sinon, je vais vraiment devoir te remplacer, j'ai trop la flemme. Sounds like a skill issue. Bah, c'est Mars 4 qui me dit ça, ça me va. Ok. Oh. Ah, j'avais le coude sur la barre espace. Il s'est passé des dingueries. On peut dire que c'est un coup dur. Eh ben, tu ne te mouches pas du coude. Let's go. Je me fais su par un viewer dans ce channel qui croit en moi. Bon, sur ce, et ben merci à tous d'être passés sur le stream. Bon appétit. Bonne heure et demie. Et ouais, je vais aller manger et après je reviens. Mais je reviens pas en stream. Du coup, je vais couper le stream. Donc, bye bye à tous ceux du stream et au prochain stream. Bye bye.